Bonjour. So obviously not the circumstances you wanted, because I imagine you wanted to be fighting here, but what's it like to be part of Fight Week here? Normalement, vous étiez censé combattre, je dis que c'est pas l'idéal. Can you repeat yourself, I'm sorry? What's it like to be part of the Fight Week just as an observer? Comment vous sentez de faire partie juste comme un observateur? Oui, c'est vrai que je suis très déçue de ne pas pouvoir combattre pour cette première UFC à Paris. Après, je suis très contente déjà que l'UFC vienne ici. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi tôt. Et du coup, j'ai hâte de voir cette UFC, de voir le public, de voir nos combattants briller. Et j'espère que tout va bien se passer, qu'ils vont faire un grand show et que comme ça l'UFC reviendra très vite. It's true, I'm a bit disappointed that I won't be able to fight in this card, but I'm really happy to see all our fighters, our French fighters here, and I didn't expect the UFC to come this soon to France, and I hope we can put on a show so they can come back soon. And obviously you still do have a fight coming up with Caitlin, and I guess it went from Caitlin to Jessica Andrade and back to Caitlin. Just talk to us a little about that fight. Votre prochain combat sera avec Caitlin, et il y avait un changement d'adversaire, Jessica, donc ça a changé beaucoup. Et quel est votre avis par rapport à ce combat avec Caitlin? Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques changements pour ce combat. J'ai pas les raisons exactes. Après, pour moi, ça n'a rien changé. J'étais prête à affronter n'importe quel style. Et après, c'est vrai que pour moi, c'est mieux d'affronter Caitlin puisqu'elle est classée numéro 1. Et j'aimerais aller chercher la ceinture derrière ce combat. It's true, there was a lot of back and forth. I don't really know the reasons why they changed opponents, but I think Caitlin is a more interesting choice for me since she's the number one ranked. And it doesn't matter, I'm always, I'm ready for whoever it is, so it's fine by me. Like you said, she is the number one ranked fighter in the division. What makes her so difficult that she's been able to get wins over so many opponents of late? Elle est la première, elle est classée la première de la catégorie. Quels sont ses points forts pour qu'elle soit sur la première et avoir battu tous ses adversaires? Je pense que c'est une très bonne technicienne, c'est la meilleure de la catégorie, elle se déplace bien, elle a une très bonne boxe. Je pense que elle est vraiment très très technique. She's really technical. She moves around really well. So yeah, I think it's mainly the technical part. And last one from me. There's a lot of good fights on the card this weekend. But what is your pick for fight of the night at UFC Paris? Il y aura beaucoup de combats intéressants, de bons combats dans cette carte. Et quel est votre pronostic, on va dire, par rapport au combat de la soirée, fight of the night? Je pense que c'est pas des Français, mais pour moi le Fight of the Night, ça va être Charles Jourdain contre Natalia Wood. J'attends beaucoup de ce combat et je pense c'est le Fight of the Night, c'est sûr. I think Natalia Wood and Charles Jourdain will be the Fight of the Night. I can't wait to see this fight. Merci. Okay. Are you going to be fighting Caitlin at UFC 280? How are you feeling about going to Abu Dhabi for that one? Comment vous sentez de combattre Caitlin à l'UFC Abu Dhabi de 80? Je suis très contente en fait. Quand j'ai appris que j'allais pas pouvoir être sur la carte de l'UFC Paris à cause de ma blessure, j'avais vu qu'il y avait cette carte à Abu Dhabi. C'était donc une énorme carte. Pour moi, ça va être la plus grosse carte de l'année. Et j'avais vraiment envie de combattre sur cette carte. Et du coup, ça s'est fait de suite. Et j'adore combattre à Abu Dhabi. Mon premier combat à l'UFC, je l'ai fait à Abu Dhabi. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'y être et je suis très contente de combattre là-bas. I'm really happy to be fighting Abu Dhabi, and my first fight was actually there, and UFC, and I can't wait to be there. When I learned that I wasn't going to be able to be in the UFC fight in Paris due to my injury, that was sad, but I'm really happy I'll be able to be fighting there. And how do you see the fight going down with Caitlin? Et comment vous pensez que ça va se dérouler, le combat avec Caitlin? Combat avec Caitlin, ce que j'ai envie en tout cas, c'est de finir ce combat.
Le premier round, ça va être un round plutôt d'observation, mais je vais accélérer sur le deuxième et le troisième. On a plusieurs game plans avec mon coach, on est en train de mettre ça en place, mais le but, c'est vraiment de finir ce combat. My goal is to finish this fight. I think the first round will be mainly to study my opponent, and then I'll push the pace in the second and third rounds. And we've been, you know, we've established a game plan, so I really want to. The plan is to finish this fight. And what do you think of being part of such a great card at UFC 280? Obviously, there's some really big fights on that card. What do you think of the main event against Charles Oliveira and Islam Makhachev? Et quel est votre avis par rapport à l'événement principal de l'UFC 280, Charles Oliveira contre... Je pense que ça va être un très gros combat, j'ai aussi hâte de voir ce combat. Pour moi, Charles Oliveira a plus d'expérience, il a affronté des adversaires beaucoup plus forts. Après, Makhachev est très fort aussi, donc je ne sais pas du tout comment va se terminer ce combat. I don't really know how the fight's gonna end. I think Charles has a bit more experience, but it's true that sorry, I keep forgetting his name. Son adversaire c'est Islam. Merci. Makhachev, il est très, he's very tough too. So I don't really know how it's gonna go, but I can't wait to see it. Bonjour. Je voulais juste savoir, par rapport à la statistique, Katia sera la seule combattante depuis bien longtemps qui sera plus grande que toi. Et de 7 cm d'après les chiffres. Est-ce que toi du coup, est-ce que c'est facile pour toi d'apporter des combattantes plus grandes? Alors déjà, c'est pas 7 cm. Je crois qu'il y a 1 cm ou 2 d'écart. Après, moi je préfère parce que j'ai plus l'habitude en fait de tourner avec des sparring de cette taille-là. Donc pour moi c'est plutôt un avantage en fait. Ok, merci.